Donc maintenant, dans cette vidéo, je vais faire la programmation pour qu'une diode s'allume suivant un seuil de température. Alors voici dans quel état on avait laissé le programme dans la vidéo précédente. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que... Je vais allumer une diode donc de mon montage par rapport à un seuil de température. C'est-à-dire que je vais définir un seuil de température. Lorsque la température sera en dessous de ce seuil-là, la lampe restera éteinte. Et lorsque la température sera au-dessus du seuil que j'aurai défini, la diode sera allumée. Donc d'abord, on va commencer par définir la sortie qui va correspondre à la diode rouge et la diode numéro 1. Donc il va falloir que je définisse une broche, donc la 2, et que je la configure en sortie. Donc ça sera la DL0 pour la broche numéro 2 donc bien sûr là il manque du texte hein, ça sera une constante et donc euh, comme c'est la broche numéro 2 donc le chiffre 2 est un entier donc const int del diode 01 égale 2. Donc euh, maintenant je vais définir mon seuil de température. Donc je vais prendre euh, une température de 24 degrés Celsius car là où je suis là il doit faire euh, dans les 23 degrés là. Donc euh, la grosse difficulté lorsque l'on fait un programme c'est de donner un bon nom à sa variable je trouve. Donc je vais l'appeler temp seuil alarme haute. Temp seuil alarme haute. Donc ça veut dire température seuil alarme haute égale 24. Point virgule. Donc bien sûr je l'ai pas fait mais je le fais en dernier à chaque fois. Donc c'est Variable c'est une constante donc elle ne sera pas modifiable et donc là le chiffre 24 c'est un entier mais je vais mettre une variable du type float car comme ça si je dois modifier la valeur par exemple si je dois marquer 24,3 donc 24.3 je pourrais le faire donc là d'ailleurs je vais rajouter le 0 24.0 car j'ai mis une variable de type float et donc une fois qu'on a défini ces variables là donc ces constantes maintenant dans le void setup il va falloir que je paramètre la broche en sortie tout ou rien le mode programmation c'est pin mode et donc là au lieu de marquer le Numéro de broche, par exemple broche 2, je vais marquer del01, hotpot qui veut dire sortie. Bon, tout ça on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc là j'ai défini mes constantes, là j'ai défini que la broche, donc del01 c'est la broche 2, ça sera bien une sortie. Donc maintenant il va falloir que j'utilise l'instruction if pour créer la condition. Alors je rappelle un petit truc, là on voit la cola de là, cette cola de là, on voit que cette cola de là est surlignée. Donc cette cola de là elle ferme, donc la cola qui est ici, qui est donc la cola du void loop. Donc là je Espace pour me faire un peu de place et donc je vais utiliser l'instruction if donc si j'ouvre la parenthèse si degré Celsius dans degré Celsius c'est la variable qui est ici c'est la variable de température inférieure à température seuil alarme haute donc là par exemple si j'ai 23 degrés et si ici si, donc j'ai défini une température de 24 degrés donc degré Celsius sera bien inférieur à température seuil alarme haute j'ouvre la collade donc la collade c'est Alt GR et sur mon clavier elle est sur la touche 4 donc ça veut dire alors je reviens à la ligne digital write donc ça veut dire que je vais passer la sortie DEL01 à low ça voudra dire que si ma température est inférieure à la température de seuil la diode reste éteinte donc là il faut fermer la collade ALT GR et là on est sur la touche du plus là égal voilà je saute la ligne else donc else c'est sinon hein. donc la condition IF SI donc si c'est bon alors digital write DEL01 low donc la sortie de la broche numéro 2 sera bas donc le relais sera ouvert Sinon, j'ouvre l'accolade digital white del01 height donc il n'y a pas de T donc là ça veut dire que si la température est supérieure à 24 degrés alors la diode va s'allumer donc on se rend compte que ce qui est difficile à gérer là c'est euh, toutes ces accolades parce qu'on a vite fait en oublier une et si on en oublie une ça ne marche pas donc là je vais aller sur vérifier pour tester le programme s'il n'y a pas d'erreur de programmation donc là il me dit qu'il y a une erreur il me dit euh, expected euh, virgule or point virgule before const donc là on le voit l'erreur j'ai pas mis de point virgule. Compilation du croquis. Donc le croquis c'est bien compilé. Donc maintenant je vais brancher l'Arduino. Donc l'Arduino est bien branché. Je vais envoyer le programme. Le téléversement est terminé. Le programme utilise 11% de l'espace de stockage. Et les variables globales utilisent 12% de la mémoire dynamique. Bon ça va. Donc là je fais outil moniteur série. Donc là on voit que là où est l'Arduino il fait 22,8 degrés. Donc là je vais mettre mon doigt sur le capteur de température. C'est-à-dire que je vais serrer le capteur de température avec mes deux doigts. Et donc là on va voir la température monter et aussi on devrait voir le fait que la diode s'allume donc là je vais serrer avec mes doigts le capteur de température et on va voir que la température du capteur va monter dans le moniteur série et aussi on va observer que lorsque la diode va s'allumer elle va se mettre à clignoter un certain temps avant de rester allumée en permanence Donc, on a pu voir ce phénomène de clignotement. Donc, ça, c'est pas bon. Car si ça avait été un contacteur de puissance, un contacteur moteur, le contacteur aurait fait de la mitraillette. C'est-à-dire qu'il aurait claqué. Et lorsqu'il y a de la puissance qui passe, comme par exemple sur un moteur, eh bien, ça peut faire euh, disjoncter le disjoncteur moteur. Ça peut même, si ça se produit trop longtemps, ça peut même détruire le moteur. Et donc là, j'ai enlevé mes doigts du capteur de température. Dessus, je pointe un ventilateur pour que la température chute plus vite et on constate que à un moment donné, la diode n'arrête pas de clignoter. Et ce clignotement s'arrêtera lorsque la température sera inférieure à 24 degrés et qu'elle restera constamment en dessous de 24 degrés Celsius. Mais comme on peut le voir sur l'entrée du capteur, on a toujours une variation de 0,5 degrés. Et donc, la manière dont j'ai programmé la chose n'est pas bonne, car on voit très bien le phénomène que ça provoque. Donc, pour éviter cela, il faut soit rajouter un hystérésis, c'est-à-dire que par exemple, j'enclenche la valeur d'alarme à 24 degrés, et je déclenche cette valeur-là, c'est-à-dire j'arrête la diode à 23 degrés, donc il y a un delta T de 1 degré. Ça, c'est une possibilité. Donc, on appelle ça l'hystérésis. Et aussi, une autre possibilité, c'est faire un petit peu comme dans les machines frigorifiques, par exemple, avec les prises c'est à dire qu'on a une valeur d'enclenchement et pour couper le compresseur on va avoir une valeur de différentiel qui va se soustraire à la valeur d'enclenchement donc ça fonctionne un peu comme un hystérésis et après la troisième solution on peut avoir aussi la possibilité de mettre une temporisation sur l'entrée ou sur la sortie c'est à dire que j'ai souvenir lorsque j'ai fait un peu de régulation numérique que sur les entrées du régulateur numérique on pouvait mettre ce que l'on appelle un filtre passe-bas donc c'était au niveau software il me semble c'est à dire que le l'entrée euh, ne prend pas instantanément la valeur, il y a une certaine latence. Et après pour la possibilité de la tempo, c'est aussi très intéressant parce qu'on peut mettre une tempo pour forcer la sortie euh, par exemple, lorsqu'elle bascule à l'état 1, la forcer un certain nombre de secondes, voire de minutes. Donc voilà, en tout cas, en l'état actuel, ce type de programmation là pour contrôler une machine, c'est pas bon et donc on verra plus tard euh, ce que l'on peut faire au niveau de la programmation pour ajouter soit une valeur de différentiel ou une valeur d'hystérésis, voire à temporiser la sortie. De l'ordre d'une pour éviter ce phénomène de clignotement ce phénomène de mitraillette alors voilà pour cette vidéo si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager tu peux t'abonner à la chaîne tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité du chaud et du froid et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don le lien est sur la page d'accueil de la chaîne youtube merci et à bientôt pour une prochaine vidéo